Je viens de mélanger le produit pour faire le joint d'écarlage. Je sais que pour faire les joints, il va me falloir une éponge avec un seau d'eau. Donc j'ai l'éponge, j'ai l'eau. Je vais mettre l'éponge dans l'eau, d'ailleurs. J'ai ce truc-là, c'est un truc un peu mou comme ça, une spatule un peu molle. Je pense que c'est avec ça qu'il faut le faire. Puis quand même, au cas où, j'ai pris une spatule un peu dure parce que pour prendre le produit et tout, que j'ai mélangé et qui, je pense, est assez coulant. Enfin bon, on verra ce que ça donne. Vu que j'ai jamais fait, ben, on verra. Ah, par contre, ça c'est pas bon parce que là, c'est un petit peu rugueux et si ça tombe dans mon produit, ça va pas être top. D'ailleurs, on entend tomber les trucs là. Enfin bon, je vais essayer d'éviter de faire tomber quand même. Je gratterai tout le carrelage à la fin. Parce que normalement, on va peut-être que je commence à le gratter maintenant, comme ça là. Mais je pense qu'à la fin, ça le fait aussi, hein. De toute façon, c'est pareil. Je crois. Voilà, on va voir. Bon, allez, on y va. Ok. Je l'applique d'abord avec le truc dur, puis je ferai après avec le truc mou. Ça, c'est juste pour le mettre sur le mur. À mon avis, j'ai pas mis assez d'eau dedans parce que ça me l'air un peu sec et je crois que ça va pas trop le faire. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau, je pense, parce que sinon j'ai peur de ne pas pouvoir bien travailler la matière. Bon, je vais déjà plonger ça. Je crois qu'il ne faut pas que ce soit trop mouillé, mais bon, j'en sais rien non plus, donc on va voir. Il y a des petits bouts comme ça dedans, ça c'est pas cool. Donc je vais ressortir et remélanger un peu d'eau dans la matière, parce que je crois que ça va pas trop le faire comme ça. Je me demande si j'aurais pas dû en fait enlever les imperfections avant de commencer à faire le milieu, parce que je vois que il y a certains endroits, comme ici, là, ici, pas très bien, mais il y a des toutes petites imperfections là qui viennent de matière que j'ai utilisée par ailleurs, et je voudrais pas qu'après je puisse pas les enlever avec la spatule, donc je pense que je vais peut-être plutôt commencer par enlever toutes les imperfections comme ça. Parce que sinon, j'ai peur que ce soit pas super top. Et puis, je vais rajouter de l'eau dans la matière et je vais. On va voir ce qu'on fait là. Mais ça devrait le faire. Ça a l'air mieux. Donc, c'est peut-être un peu trop liquide maintenant. J'ai peut-être un petit peu abusé sur l'eau. Mais bon, c'est pas grave, on va voir comment ça va aller. Ça a l'air d'aller. Donc je vais continuer à faire toute la salle de bain comme ça.